Elle me regarde, elle sourit, elle dit même pas pardon. Non mais don't speak with me, I don't want to speak with you. Hein? Manon s'embrouille à l'anniversaire de son fils. Ça finit mal. Manon est sous le choc après ce qu'il s'est passé à la fête d'anniversaire de son fils. Et pour cause, le ton est monté entre l'influenceuse et la maman d'un petit garçon qui s'en était pris très violemment à Thiago et à d'autres enfants. Tout s'est finalement très mal terminé. Il s'est passé un truc pas trop cool à la fin du birthday. En fait, donc ça y est, ils avaient fait le gâteau et tout, et ils sont tous partis jouer dans le playground. Et j'ai Thiago qui arrive en pleurs, mais vraiment genre... Et donc j'ai Thiago qui arrive en pleurs et il me dit « Maman, il y a un garçon qui m'a frappé, il m'a mis des gifles dans le visage. » Il était rouge là et il avait surtout hyper mal là. Et je lui dis « Ah bon ?» Mais je lui dis « Écoute, montre-moi qui c'est. » Et là, au moment où du coup, de tente de trouver ce fameux garçon dans le parc, il y a plein d'autres enfants qui étaient à l'anniversaire, dont la copine de Thiago, c'est un peu son amoureuse depuis 2 ans, le petit frère de Aaron et un autre enfant qui arrive en pleurant. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, tous, ils se sont fait embêter par ce garçon en question. Il avait mordu la copine de Thiago à la main, là. Il a griffé le petit frère d'Aaron au visage. Il était... une grosse trace de griffure alors qu'il a 3 ans, il a l'âge d'Angelina. Un autre aussi qui l'avait frappé. Et bref, donc je me retrouve avec 6 enfants autour de moi qui pleurent. Mais genre à chaud de larmes. Thiago, il avait mal. Je me dis, c'est quoi ce délire? Je me dis, c'est qui cet enfant? Genre, c'est Hulk. Et ils me disent, maman, c'est lui. Et là, je vois un petit garçon, un blond, assez fin, mais plus âgé quand même. Je dirais qu'il avait peut-être 8-9 ans. Je vais voir ce petit garçon et je lui dis, excuse-moi, viens voir en anglais. Et je vois qu'il part en courant, genre il me calcule app. Donc je commence à lui courir après autour d'une piscine à balles là. Et je lui dis arrête-toi. En fait, il lui dit t'es obligé d'arrêter, c'est un cul-de-sac. Et je lui dis tu viens avec moi. Je lui dis tu viens avec moi et on va aller voir tes parents en fait. Parce que là, je montre Thiago qui est en larmes. Je lui dis tu me montres qui sont tes parents s'il te plaît. Et là, t'as la maman qui arrive. Qui dit qu'est-ce qui se passe. Donc tout ça se passe en anglais. Ok, vous allez comprendre pourquoi du coup j'étais frustrée. Parce qu'en fait, moi quand je commence à m'énerver et à paniquer, je trouve plus mes mots en anglais. Et là, il y a la maman qui est là et qui dit bah, qu'est-ce qui se passe. Et donc, au début, je lui explique. Je lui dis bah, votre fils, en fait, regardez, mon fils est en pleurs, son anniversaire. Il a très mal. Regardez ce petit garçon, il est griffé, il saigne au visage. Et cette petite fille, elle est mordue. Cet autre petit garçon, il a mal. Je vois que la maman, elle n'en a rien à faire de Thiago qui souffre. Elle n'en a rien à faire des autres enfants qui souffrent, mais rien à faire. Et elle sourit. Et elle rigole. Et je lui dis, excuse-moi, votre enfant, il vient de... Bref. Et elle dit, oh non, mais ne me parle pas. Alors là, je t'explique, le ton, il a monté. Là, le ton, il a monté. Quand elle a commencé à me dire, non, mais... Elle me regarde, elle sourit, elle dit même pas pardon. Non, mais don't speak with me. I don't want to speak with you. Hein? Et alors là, mais du coup, j'ai quand même de garder un minimum mon calme. Je suis dans un endroit avec que des enfants. Enfin, voilà, Donc Thiago, du coup, hyper mal à la tête, il me dit « Maman, je veux rentrer, maman, je veux rentrer », alors que tous ses copains sont restés à son anniversaire. Au final, le pauvre, il est rentré, il m'a dit « Je veux rentrer, j'ai la tête qui va exploser, il a même mal à la tête, il me dit « Il me faut de l'eau ». Il a dû boire 3 bouteilles d'eau, rien n'y faisait, donc du coup, le pauvre, il est rentré, vite avec son papa.